infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. Ta foi en Dieu, ton Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas.
garde ta foi en Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Il ne t'abandonnera pas. En chantant. Oh, 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 il fera, disons-le. Oh, 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 il fera. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés ce soir. Et c'est vrai que nous voulons partager ensemble ce thème d'être liés ensemble les uns les autres. Oui, le fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes tous liés ensemble pour un seul et même esprit. Nous sommes issus d'un seul Père, Dieu, le Créateur de toutes choses. Nous pouvons le lire sans plus tarder dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. En tout cas, je vous salue tous, frères, sœurs et même les amis, ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. Matthieu 6, 9, il est écrit « Mais voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Voilà comment Jésus va instaurer la prière. Il va dire « Notre Père » qui est aux cieux. C'est notre papa à tous. C'est notre père à tous. Nous avons un seul et unique père, Dieu. Romains 8, 29, il nous est écrit, mais car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Jésus est le premier fils, le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous et moi, nous sommes tous héritier de Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu. Romains 8, 14 nous dit, mais car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et il y a un seul corps maintenant, un seul esprit. Et nous avons tous été appelés justement à cette vocation. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 4, il est écrit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Et oui, le Seigneur fait de nous ses enfants. Et ce que le Seigneur nous demande, frères, sœurs, amis, c'est de nous aimer. Dieu s'est donné... Il a donné son Fils pour chacun d'entre nous, par amour pour nous. Jésus s'est donné à la croix par amour pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Jean 15, 17, il nous est écrit, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Eh oui, le Seigneur nous appelle, il nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Les uns et les autres dans la communion fraternelle. Liés les uns les autres ensemble pour servir. 1 Corinthiens 16, 20, il est écrit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Et oui, il est clair que, frères et sœurs, il est important pour nous de nous saluer, de se dire bonjour. Pour moi, il n'est pas normal que dans la famille de Dieu, et même dans notre propre famille, même dans ce monde, de pouvoir dire « nous ne disons pas bonjour ». C'est important pour nous de nous saluer, de se prendre des nouvelles et de se dire « Mais est-ce que tu vas bien mon frère, ma sœur ?» et de lui donner une parole de bénédiction. Et Paul ici va dire « Mais saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » C'est vrai qu'aujourd'hui avec le Covid c'est un peu compliqué, mais le cœur y est comme on le dit si bien dans nos églises. Le cœur y est, mais le but c'est de se saluer. Ça ne nous empêche pas de nous saluer les uns les autres. Et la communion fraternelle, elle est importante. Dans le service, frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à prier les uns pour les autres. Jacques 5, 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et là, nous voyons encore une fois que pour Dieu, il est important que nous puissions être rassemblés, être ensemble, ses enfants, pour qu'on puisse prier ensemble.
Il est bien dit à la fin de ce verset, « afin que vous soyez guéris ». Donc, c'est dans le combat ensemble que nous allons pouvoir y arriver à la victoire. Galates 6, 2, il est écrit, « Mais portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Amen. Nous sommes libérés de tous nos fardeaux, libérés vraiment de toute culpabilité, de toute crainte, de toute peur. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes ensemble, les uns et les autres. Et dans le service, Galates 5, 13, il est écrit, « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Et regardez la suite du verset. « Mais rendez-vous par l'amour ou par la charité, serviteurs les uns des autres. » Amen. Servir dans l'amour. Servir les uns les autres dans la paix. Il devrait y avoir l'amour et la paix dans nos cœurs, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Parce que nous sommes frères et sœurs. Parce que nous allons nous voir jusqu'à l'éternité. Nous allons être ensemble pour toujours. Donc, à quoi bon de garder des mauvaises choses dans nos cœurs alors que nous sommes appelés à nous aimer et à nous servir les uns les autres. Romains 14, 19, j'ai pris la version Semeur, il est écrit ainsi donc, « Cherchons toujours ceux qui contribuent à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. » Amen. Dans le service, nous pouvons nous édifier. Dans le service, nous pouvons nous exhorter. Nous pouvons aussi parler de notre témoignage à nos frères et sœurs pour les encourager. Et c'est important pour nous, frères et sœurs, de pouvoir penser à l'autre, de pouvoir encourager son frère, sa sœur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, il est écrit, « Mais c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Amen. Que nous puissions croître ensemble, que nous puissions grandir ensemble dans la communion fraternelle, que nous puissions vraiment connaître une croissance, une maturité ensemble. Amen. Colossiens 3, 16 me dit, « Mais que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Amen. Frères, sœurs, oui, nous pouvons ensemble passer de très bons moments dans la communion fraternelle. Nous exhortons, nous donnons aussi vraiment à être instruits par la parole de Dieu, à pouvoir chanter des cantiques ensemble, se réjouir dans la présence de Dieu ensemble. Une famille, tout simplement, qui est là avec son père, qui est là avec leur père, qui est là, le Dieu qui est présent, qui est parmi nous, à l'église, dans notre famille, dans le service. Et nous sommes là pour nous réjouir par des cantiques, par des hymnes, pour pouvoir vraiment se servir les uns et les autres et servir notre Seigneur pour son œuvre dans la paix. Jean 13, 14, il est écrit, « Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Amen. Et oui, Jésus nous a donné l'exemple et nous devrions suivre son exemple, aider son prochain, penser à l'autre, les uns et les autres dans la relation d'enfant de Dieu. Vous savez, nous sommes tous différents, nous avons tous des caractères différents, nous avons tous une nature, une manière de penser, une histoire différente. Mais la Bible nous demande, Paul va nous exhorter à développer, à entretenir la communion fraternelle malgré nos différences. Éphésiens 4, 32, il est écrit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant si réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Dieu nous donne toujours l'exemple. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Comment pouvons-nous ne pas pardonner nos frères et sœurs alors que nous sommes issus du même Père et nous sommes animés du même Esprit? Nous sommes vraiment dans cette pensée, frères et sœurs, de nous pardonner réciproquement. Le pardon ne soit pas dans un seul sens. Si le pardon est dans un seul sens, celui ou celle qui ne pardonne pas, celui ou celle qui refuse de pardonner, à ce moment-là, il n'est pas dans la volonté de Dieu, puisque il nous dit bien, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, des deux côtés.
comme Dieu, vous a pardonné en Christ. Amen. Jean 13, 34, il est écrit, mais je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Ici, il nous est montré dans ce texte qu'effectivement, la marque de l'enfant de Dieu, c'est l'amour. La marque de la communion fraternelle, c'est l'amour, c'est la joie. 1 Pierre 5, 14, il est écrit, mais saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons besoin de marcher dans la paix, dans la joie, dans l'amour de Dieu. Éphésiens 4, verset 1er, il est écrit, mais je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience. Écoutez bien la suite, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Vous supportant. Eh oui, nous devrions nous supporter les uns les autres. Si dans la parole de Dieu il est écrit que nous devrions nous supporter, c'est que de nature même nous sommes insupportables. Eh oui, nous sommes tous différents, nous avons tous nos convictions, mais ici il est écrit, supportez-vous. Vous supportant les uns les autres. Il va dire même, vous efforçant, c'est-à-dire, c'est pas naturel. Si vous avez du mal à vous supporter, c'est que c'est normal. Mais vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Dieu nous parle au travers de son esprit, au travers de sa parole. Le but pour vous et pour moi, c'est que nous puissions être unis par l'esprit et que nous puissions avoir la paix du Seigneur dans nos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 13, il est écrit, mais supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Amen. Amen. Pour garder l'union, pour pouvoir travailler ensemble, les uns avec les autres, nous avons besoin de passer par le pardon, de passer par le côté où nous devrions nous supporter les uns les autres. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 21, j'ai pris la version français courant, « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Alors, si nous aimons Jésus-Christ, si nous aimons notre Seigneur, nous devrions nous soumettre les uns aux autres. Vous savez, la Bible nous parle du sel. « Mon frère, ma soeur, tu es le sel que Dieu a choisi pour donner du goût à ton entourage. » Marc 9, 51 est écrit, « Ayez du sel en vous-même. » Et soyez en paix les uns avec les autres. Vous êtes là pour donner la paix autour de vous. Vous êtes là parce que vous êtes là pour donner du goût. Vous êtes là parce que Christ est en vous. Parce que l'amour, la paix, la joie de Christ est en vous. Alors à ce moment-là, le fait que nous sommes liés les uns aux autres, nous allons pouvoir donner à ceux qui arrivent, qui viennent pour là ou les premières fois à l'église, la joie de pouvoir rencontrer la paix de Dieu. De pouvoir rencontrer Jésus-Christ en voyant des frères et sœurs qui sont unis d'un seul et même esprit. Nous sommes liés à Christ dans notre vie quotidienne. Oui, frères et sœurs, Jésus est avec nous quotidiennement, son esprit est avec nous quotidiennement, et même dans notre vie personnelle, nous avons besoin d'exprimer la paix, la joie et l'amour de Jésus. 1 Pierre 4, 9, il est écrit, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Romains 15, 7, il nous est écrit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Amen. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous êtes venu à l'église et que vous avez rencontré Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça vous avait fait dans votre cœur? La joie, ce sentiment d'être en paix, d'être aimé, d'être accueilli par Christ. Eh bien, ici, il est écrit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. » Accueillons-nous avec joie, avec paix, avec amour. Et frères et sœurs, il est important pour nous de pouvoir redonner ce que nous recevons du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 26, il est écrit, « Ne soyons pas orgueilleux entre nous, pas de dispute entre nous, pas de jalousie. Mais aimons-nous les uns les autres. » Amen.
1 Corinthiens 12, 24, il est écrit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Nous devrions prendre soin les uns des autres. Oui, nous sommes différents. Oui, nous avons des caractères différents, mais nous formons tous le corps de Christ. Et Dieu a bien coordonné les choses de manière que tous nous puissions être utiles les uns aux autres. Que celui qui puisse aider, qui est pas timide, mais qui justement peut rendre service, mais qui le fait vraiment avec joie, avec paix, puisse y aller. Et que celui qui est timide puisse être accompagné par celui qui a un peu plus d'enthousiasme, qui a plus d'audace. Mais ensemble, l'œuvre de Dieu avance. Ensemble, la paix de Dieu règne. Ensemble, l'amour de Dieu est présent. Galates 5, 15, il est écrit, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et oui, faites attention. Il est possible parfois nous n'ayons pas les mêmes visions des choses, que nous ne voyons pas les choses pareilles. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur ne nous demande pas de voir les choses pareilles. Nous sommes tous différents. Mais il est bien dit ici, si vous vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Prenez garde à ce que vous ne vous détruisez les uns les autres. Et là, c'est division dans le corps de Christ. Donc, frères et sœurs, apprenons à accepter nos différences, à accepter que nous ne soyons pas tous pareils, mais que la paix, l'amour de Dieu puisse dominer dans notre relation. Que la paix, l'amour de Dieu puisse nous lier les uns avec les autres. Romains 12, 18, il est écrit, mais s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec nos frères et sœurs, dans votre foyer, dans votre travail, soyez en paix tant que cela dépend de vous. Et oui, le pardon doit résider. Mon dernier verset ce soir, il est écrit, 1 Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et celui et quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Amen. Vous connaissez le Seigneur? Vous avez accepté Jésus-Christ? Alors nous devrions nous aimer les uns les autres. C'est ce qui nous est dit. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Dieu est amour. Et quiconque aime, puisque nous nous aimons, puisque l'amour de Dieu domine dans nos cœurs et dans l'Église, eh bien quiconque aime, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mais restons ensemble les uns les autres. Restons liés ensemble, recherchons l'unité, l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et vraiment que la paix, l'amour, la joie de Dieu puissent dominer dans votre vie et retransmettez, redonnez ce que vous recevez de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage, frères et sœurs. Amen.